Ah, vous sentez ça? Ça sent l'été. Enfin, on a attendu longtemps. Et pour nous, à la RSQ, l'été, ça veut aussi dire c'est que c'est le retour du dynamo. Je m'appelle Pierre-Luc Tremblay et bienvenue au Rebond. Faire des mini-capsules cette année de 2 ou 3 minutes. Et pour la première, on vous parle du Dynamo. Et pour en parler, pour le début de la saison, on invite Gabrielle Lambert, qui est gardienne, une des gardiennes avec le Dynamo, à venir nous en parler. Bonjour Gabrielle, merci d'être venue aujourd'hui faire le premier rebond. Ça me fait plaisir. Alors, il va y avoir 2 matchs cet été. Ça commence ce samedi au complexe Onco où on se trouve. Mais on va aussi jouer ailleurs cet été. Où on va jouer? Oui, en effet, on va jouer en Beauce, à Saint-François, ainsi qu'à Chauveau et à Charlebourg. Voilà. Alors ça, c'est ce qui s'en vient. Le Dynamo est sur la route pour aller vous voir dans votre terrain. Deuxième question, Gabrielle. Il y a une politique de prix là, qui nous fait dire qu'il n'y a absolument aucune raison qu'on ne peut pas venir voir le Dynamo cette année. Tout à fait. Pour les enfants de moins de 11 ans, c'est gratuit. Toute personne ayant un gilet du Dynamo ou de son propre club, c'est gratuit aussi. Et pour les adultes, c'est 5 $ seulement. Voilà. Alors, ça coûte vraiment rien. Il n'y a pas de raison de ne pas venir voir le Dynamo. Mais ça, c'est le côté logistique. On a une saison qui s'en vient. Qu'est-ce qui va se passer avec le Dynamo cette année? Comment t'entrevois la saison? J'entrevois d'un bon œil. On a encore une équipe très jeune, sauf qu'on se connaît de plus en plus. La chimie est bonne, puis les entraîneurs nous préparent bien. Les entraînements vont bien jusqu'à présent. Est-ce que le fait d'avoir une saison de plus derrière là, avec Marc, vous savez comment il fonctionne, ça pourrait vous aider, ça? Oui, tout à fait. Là, on sait son style de coaching, puis nous, on se connaît plus sur le terrain aussi. Là. Sauf qu'il va y avoir un enjeu. Il y a des nouvelles équipes. Les conférences ont été remaniées un peu. Alors, on va jouer avec 4 nouvelles équipes qui nous viennent de New York. Ça change quoi, ça, dans la préparation? Bien, c'est évident qu'on ne les connaît pas, mais en même temps, eux autres non plus ne nous connaissent pas. Donc, des deux côtés, ça peut être un désavantage comme un avantage. On va tout donner sur le terrain, puis... Les entraîneurs sont là pour bien nous préparer à ces matchs-là. Bon, parfait. C'est un beau début. Merci beaucoup, Gabrielle, de t'être prêté au jeu. Ça me fait plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. Et on va se dire à la prochaine pour un prochain rebond. Et venez voir le Dynamo. Merci. Merci.